J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau retour de course car j'ai vu que la précédente vidéo, bah finalement ça vous a bien plu et comme j'ai encore quelques petites nouveautés que j'ai trouvées donc dans le magasin Natureo et l'Olive, donc bah, j'ai décidé de vous montrer ce petit retour de course. Et vous aurez en bonus, pour ceux qui n'ont pas Instagram ou qui ne me suivent pas sur Instagram, la vidéo de présentation des produits de ma commande Casidomi dont j'avais parlé en détail dans ma vidéo vlog partie 1 que je vous remets dans le petit i si vous l'avez manqué. Sinon, bah, vous pourrez la voir donc à la suite du retour de course de magasin bio. Donc ne bougez pas, ça commence tout de suite. Alors du coup, je suis allée à l'Ovive et à Natureo. Donc j'ai pas séparé en fonction des deux magasins parce qu'en fait ils proposent les mêmes produits, c'est juste que c'est pas forcément le même prix. Il y en avait qui étaient en rupture de stock chez l'un et pas chez l'autre. Donc du coup, pour ce retour de course, j'ai repris les yaourts sauce soja nature pour faire principalement de la crème cheese et des sauces au yaourt. Des tomates concassées parce que je vais en avoir besoin dans une recette. Du maïs, pareil, je vais en avoir besoin dans une recette. La sauce soja, donc version 1 litre. Donc je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo que en fait je ne l'achète pas en magasin de. Enfin, je ne l'achète pas sur Casidomi parce qu'ils ne la vendent qu'à 500 ml. Et du coup, au litre, ça revenait beaucoup plus cher. Or que là, elle m'a coûté que 9 euros et quelques. Donc ce qui est beaucoup moins cher. Ensuite, j'ai repris des tofu à la japonaise. J'ai voulu reprendre du tofu nature, mais celui de Typhon est en rupture de stock sur les deux sites. Je ne sais pas pourquoi, il n'y avait que celui de chez Soy, mais comme je préfère celui de Typhon, bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai du tofu nature en longue conservation en attendant. Mais ouais, j'aimerais bien en retrouver quand même. J'ai repris de la levure maltée. Et là, j'en ai pris ouais, 3 gros paquets, sachant que j'en avais déjà un paquet d'avance, mais ça part beaucoup trop vite. Et puis, comme en plus, j'adore celle de marquage, je vous l'avais déjà dit. Et que je la trouve que chez Lovi, donc voilà, comme j'y vais pas souvent, dès que j'y vais, je prends le stock. J'ai pris le chocolat vegan nougatine, qui est très très bon, des artisans du monde. Il était en promo, donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que j'ai encore du chocolat à la maison. Mais quand ils sont en promo, vu qu'ils sont pas donnés, j'en profite toujours. Donc j'en ai pris une tablette, j'ai été raisonnable. Au niveau des fruits et légumes, j'ai juste pris 2 poivrons que j'avais besoin pour une recette, sinon il me reste pas mal de fruits et légumes dans le frigo et dans le congélateur. Et j'ai repris l'alfalfa, donc là c'est un petit mélange avec de la roquette. Parce que vous le savez, depuis que j'ai découvert ça grâce au sandwich de Clara Primi, franchement, je trouve ça super bon. Et puis, c'est plein de bienfaits. Donc, autant en profiter, en rajouter où vous pouvez. Et comme je le trouve uniquement en magasin bio, donc voilà, j'en ai pris un petit paquet. Au niveau des nouveautés que j'ai jamais testées, j'ai décidé de prendre le ketchup de la marque Danival parce qu'il était en promo. Et que c'est vrai que ça fait un moment que je vois des ketchups de différentes marques bio. Il y a aussi Quintessence qui me tente. Mais celui-là, il est sur Casidomi, donc je le prendrai, je pense, une prochaine fois. Et là, comme j'avais presque plus de ketchup, je dis bon, bah c'est l'occasion d'en prendre un et de tester. Le nouveau de la gamme de petits vegans, donc le petit frais bruschetta que j'avais vu dans une story de la petite Okara. Donc je suis contente de l'avoir vu parce que dans mon magasin bio, Biomonde préféré, ils n'avaient pas encore... alors ils étaient peut-être déjà en rupture de stock, hein, je sais pas, mais en tout cas ils ne l'avaient pas en rayon. Donc celui-là en fait, le bruschetta, il est à base donc de poivrons rouges, de tomates et avec des épices. Donc c'est pour ça qu'il doit être super bon. Donc à tester. J'ai enfin... Enfin trouver le fameux gel en bûche de J&Joy. Mais par contre, il est hyper petit en fait. Je pensais que la bûche était beaucoup plus grosse. Donc voilà, presque 7 euros le truc. Comme d'habitude pour les fromages vegan, il faut vraiment y aller avec parcimonie. Hein. Voilà, parce que ça, je l'avais vu dans la vidéo de Lloyd Lang, comme quoi bah, il était super bon, ils avaient réussi à faire un truc encore meilleur. Alors après, les avis divergent, hein. Il y en a qui disent qu'il est aussi bon que le gel, donc qu'il n'est pas meilleur, mais en plus que le gel, il n'est pas forcément top top. Moi, je me souviens avoir goûté le Joséphine, qui était bon, mais je préférais vraiment le petit Lorrain de petit vegan. Par contre, au niveau le gel, je l'avais jamais goûté, donc voilà, donc c'est l'occasion. Ensuite, j'ai vu ça dans le rayon, donc c'est tout nouveau. Et c'est vrai que j'avais des... Alors, pour cette marque en tout cas, mais pour ce type de produit, donc du curry japonais en carré, je l'avais déjà vu dans des stories et qui me tentait bien. En plus, comme je fais pas mal de repas asiatiques en ce moment, donc ça me tentait bien. En plus, c'est bien vegan. Donc j'ai dit, bon, bah voilà, on va tester.
Et les dernières choses, donc, c'est le souchet que j'avais vu grâce à la friglaneuse. Donc, elle utilise de la farine de souchet et du beurre de souchet. Alors, du coup, j'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé le vrai souchet en noix. Je me dis, je vais peut-être essayer de le faire moi-même, en espérant que ce soit pas compliqué, dans le sens où il y a certaines noix où c'est un peu plus dur pour faire un beurre. Voilà, sinon, bah, apparemment, à grignoter, ça sera très bon aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le petit paquet juste pour tester. Parce que bon, au prix au kilo, bien sûr, il n'était pas donné. Mais voilà, vu que je ne connais pas, j'ai préféré prendre le petit paquet pour goûter. Et si ça me plaît, je prendrai le plus gros conditionnement la prochaine fois. En plus, c'est la marque Les Petits Écoïdés dont avait parlé Eva Les Petits Plats sur une de ses vidéos. Et qu'apparemment, c'était une marque vraiment super au niveau éthique et tout. Donc c'est pour ça que je dis, bon, bah, ça tombe bien, c'est tout bon. Voilà, donc principalement la farine de souchet, c'était je crois pour des cookies ou des gâteaux. Donc c'est pour du sucré. Et ouais, ces recettes me tentaient trop, donc j'ai dit, il va falloir que je tente. Et ça, je ne l'avais pas vu sur Casidomi, donc, et dans un autre magasin bio, je ne l'avais pas trouvé non plus. Donc là, j'étais contente de l'avoir. Voilà, bah c'est tout donc pour ce retour de course en magasin bio. Alors, voilà ma commande Casidomi. Donc, je n'ai pas acheté grand-chose, puisque c'était surtout pour acheter des essentiels qui me manquaient pour compléter ma dernière commande. Mais comme j'en avais fait une grosse la dernière fois, si vous aviez vu ma vidéo YouTube, j'ai pas besoin d'acheter beaucoup plus. Alors, on commence par des noix de cajou, parce que ça part vraiment trop vite, donc j'en ai repris un paquet. Des graines de sésame, je n'en avais plus, et c'est la première fois que j'en prends chez Casidomi, donc je verrai si ça me plaît. J'ai racheté du gluten, hein, pour mon 7 ans. J'ai pris les émincés végétaux, donc de la marque Epi Eco, et qui ont l'air trop bons. Et en plus, j'adore moi les émincés végétaux, donc du coup, j'ai hâte de goûter. J'ai repris le tofu nature de Casidomi, parce qu'en longue conservation, c'est quand même super pratique. J'ai repris de la levure, vu que je fais beaucoup de pâtisserie en ce moment, j'avais besoin de levure. J'ai repris du soja pour faire mon propre lait de soja maison, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et en plus, les produits Elo Bio étaient en bon plan, donc il y avait une réduction supplémentaire. Donc j'ai dit, bah, c'était le moment où j'allais. Ensuite, j'ai acheté 3 paquets de flocons d'avoine. Alors, il y a celui-là qui s'est un peu troué dans le transport, mais ça va, j'ai presque rien perdu dans le carton. Donc là, je vais pas faire une réclamation pour ça. Ça va aller directement dans ma boîte à vrac. Ensuite, j'ai racheté donc de la farine de coco, parce que je n'en avais plus. Du sucre de coco, parce que j'en avais presque plus. J'ai pris aussi de l'huile d'olive, de l'huile de coco, parce que j'en avais plus. Du lait de coco, j'en avais plus. De la crème de coco, il m'en restait juste une boîte. Et en fait, j'ai pris le package coco, parce qu'en fait, quand vous prenez le pack découverte, ça vous coûte moins cher. Donc du coup, quitte à le prendre, voilà. Ensuite, j'ai pris des haricots rouges, donc 2 boîtes, des pois chiches. J'ai tenté du bouillon de légumes umami, voilà. Qui était très tentant. Ensuite, enfin c'est juste que j'ai le bouillon de légumes, je le voyais plus gros, donc comme d'habitude, je me suis encore fait avoir sur les conditionnements. C'est vrai que quand on voit 100 grammes de poudre, on se dit c'est un gros conditionnement, mais en fait non. Pour comparer, celui que j'ai, il fait plus de 300 grammes en fait. Mais bon, c'est pas grave. J'ai voulu tenter ce parmesan végétal parce qu'il est à base de chanvre et pas de noix de cajou. Parce que celui à noix de cajou, il est tellement rapide et facile à faire que je le fais moi-même. Mais du coup, le fait qu'il était à base de chanvre, j'étais intriguée. Donc, j'ai voulu goûter. Ensuite, j'ai pris la bolognaise Elo Bio que j'avais déjà testée une fois, qui est très bonne. Par contre, du coup, pareil, comme c'est la marque Elo Bio, il y avait un pourcentage dessus, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que j'avais pas forcément besoin d'une bolognaise. Mais quand il y a un bon plan, faut en profiter. J'ai repris de la sauce tamari. Donc avec le 25% de sel en moins, parce que j'en ai presque plus et elle est vraiment beaucoup moins chère sur Casidomi, donc j'ai pas hésité. Et ensuite, en non alimentaire, j'ai repris mon gel douche au citron qui est vraiment trop trop bien. Mon gel WC au citron également qui est bien également. J'ai pris des tablettes lave-vaisselle, donc ça je vais tester pour la première fois, mais la marque Froche, j'en suis très contente, donc il n'y a pas de souci, je pense. Du déodorant, alors j'ai tenté... le déodorant sous forme de crème, je n'ai pas adhéré. Moi, j'adore la version Roland, mais le problème, c'est que pour le zéro déchet, c'est pas top. Et j'ai vu celui-là qui est rechargeable, en fait. Donc, du coup, j'ai dit, je vais tester. S'il me plaît, bah, j'aurais plus qu'à acheter la recharge. Donc, c'est cool. Et pour le shampoing solide, j'ai décidé de tester celui-là. Parce qu'il a des très bons retours. Et en fait, apparemment, donc, il est pour cheveux gras, mais aussi pour les pellicules. Et comme j'ai pas mal de pellicules en ce moment et ça me gonfle parce que avec le shampoing avril ça avait diminué mais ça ne disparaît pas complètement donc c'est pas suffisant donc voilà donc j'ai décidé de changer de shampoing pour voir si ça marche mieux. Voilà, bah c'est tout pour ma commande Casidomi.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !